Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 20 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie de ce matin, donc cette belle pensée, eh bien c'est éloge de la lenteur. Profitez de l'été pour vivre lentement. Très lentement, et apprécier chaque instant pour en faire un moment d'éternité. Belle pensée, n'est-ce pas, encore aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé plume, message. Alors, oui, moi je reçois beaucoup de plumes blanches. C'est très rare quand je reçois des plumes de couleur. C'est beaucoup du duvet. Vous savez, on dirait que c'est des plumes duvet, des petites plumes d'ange comme ça. Découvrir une plume est un peu comme recevoir un courrier spécial du divin. La plume, eh bien, que vous trouvez par hasard au cours peut-être d'une promenade ou sur le rebord de votre fenêtre, est là pour vous connecter au meilleur et au merveilleux monde spirituel. Restez ouvert. Oui, restez ouvert et réceptif au message, et bien que l'univers vous envoie. Alors, l'image de cette plume que vous voyez à travers votre écran, eh bien, la couleur est verte et elle est dans le sable. Eh bien, cette plume indique que vos anges sont près de vous et vous rappellent d'accueillir leur sagesse et leur guidance. Et cette plume verte, n'est-ce pas, elle vous indique aussi que la guérison ne tardera plus. Et plus largement, vous ne manquerez pas de chance. Vous savez, lorsque on voit une plume verte, eh bien c'est un symbole fort, vraiment. C'est un symbole fort de fertilité et peut indiquer aussi une rentrée d'argent imminente. Une divine présence, en tous les cas, veille sur vous et veut vous adresser une marque d'encouragement. Alors, eh bien, soyez réceptifs à ces signaux. On vous offre des informations qui vous aideront, eh bien, dans votre parcours. Si vous prenez le temps d'y faire attention, n'est-ce pas, eh bien, vous verrez et vous aurez peut-être des réponses. Alors, la couleur de la plume que vous trouvez a aussi un sens, n'est-ce pas? Donc ici c'est vert, donc la plume verte c'est la chance qui vous sourit. C'est de ce que vous êtes en train de vivre, eh bien c'est sur la bonne voie. Et puis là, une plume verte, on vous demande de faire attention au message. Soyez réceptifs. Et peut-être qu'il y a un de vos défunts qui veut communiquer avec vous. Peut-être aussi que vous allez recevoir un appel ou un texto ou un courrier significatif par une question, une demande que vous avez. Eh bien voilà un beau message, n'est-ce pas ? Et quelle belle synchronicité, parce que dans le petit oracle des couleurs, devinez la carte, la couleur de la carte que j'ai pigée. Oui, vert. Vert sapin. Quelle belle synchronicité, n'est-ce pas? Alors, vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Eh bien voilà,
Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Alors, ça me vient à l'idée ici, quand j'ai perdu mon papa, il y a quelques années d'ici, eh bien, j'ai trouvé trois plumes. Je sors de mon garage, enfin, j'ouvre la porte de mon garage et je vois trois plumes. Et mon papa est décédé une semaine ou 15 jours avant. En fait, il habitait à Cannes et en fait, c'est la police municipale qui m'a averti que mon papa était, qu'on avait retrouvé mon papa décédé dans son appartement. Et moi, je l'avais encore eu 3 jours avant qu'il ne décède. Et voilà, il y avait trois plumes. Des plumes blanches comme des duvets, hein, des beaux duvets comme ça. Et je suis certaine que ça venait de mon papa. Mon papa qui était athée, qui ne croyait en rien. Et je lui avais toujours dit, je dis, le jour où tu partiras, eh bien, tu me donneras des signes et tu t'apercevras que la vie ici sur Terre est terminée, mais elle continue. Eh bien voilà, il m'a envoyé trois belles plumes blanches. Bon, allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Eh bien, et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.